magique secret pour 5 amis désormais. Élu pour sauver le monde. Transformation éclair avec une âme de guerrière. La lumière les inonde. Alors, toutes les forces maléfiques vont se heurter au pouvoir des magiciens. Witch déchaîne la force de l'eau et de l'air. Le feu et la terre libèrent les forces de l'univers. Tous ces grands mystères. Witch, witch. Eau, air, feu et terre libèrent les forces de l'univers. Ne ferait plus plaisir aux rebelles que de venir perturber la cérémonie du couronnement. Je veux savoir où se trouve leur cachette secrète. On va voir s'ils resteront toujours aussi muets quand ils ne pourront plus boire l'eau de leur puits. Occupez-vous des autres puits. Elion, voici le trône sur lequel tu siégeras pour ton couronnement. Ah, il est vraiment magnifique. Je peux? Oh, c'est incroyable. Mais d'un coup, je me suis sentie tout engourdie et très faible. Je n'arrivais même plus à bouger les bras. Et puis aussitôt après, je me suis réveillée. Moi, je fais tout le temps des tas de cauchemars. Je rêve d'araignées, de serpents, d'abeilles ou de perdre mes dents aussi. Tu ferais mieux de reposer ce croissant tout de suite, sinon tu vas comprendre ta douleur. Ils volent notre énergie, notre nourriture, et à présent toute notre eau. J'ai fait tarir leur puits avec des lances magnétiques. La soif finira bien par leur délier la langue. Pourquoi tes hommes ont-ils tant de mal à trouver la cachette des rebelles? Des légendes circulent à propos d'une cité. Si cette fameuse cité existe, pourquoi le chef de la garde, avec tous les hommes qu'il a à sa disposition, ne l'a-t-il pas encore trouvée? Votre royaume est immense, votre majesté. Peut-être est-elle dans la forêt de Méridiane? Ça suffit. Prends avec toi tous les renforts que tu voudras pour élargir les recherches. Je ne tolérerai aucune intrusion des rebelles à la cérémonie qui ferait échouer mes plans envers Elion. Les villageois ne tiendront pas longtemps sans eau. Leur courage est mis à l'épreuve un peu plus chaque jour qu'ils gardent le secret de la cité infinie. Et qu'est-ce que tu fais de ce lac? Ça a été leur source d'eau pendant des années, mais quelque chose est entré dedans. Une chose qu'on appelle le K-Team. Qu'est-ce que c'est? C'est un prédateur meurtrier. Eh ben, on s'attaque à lui et on le dégage. Il fait quelle taille, en gros?
Eh bien, disons qu'il fait environ la taille du lac. Quoi ? On pourrait même dire qu'il est le lac. Donc c'est un champ magnétique qui se sert de l'eau pour prendre forme. Oui, si on apporte de l'eau du lac Motam jusqu'au village, on peut amener le Ketim, ou une partie. Et il vaut mieux ne pas avoir affaire à lui. Oh, oh, ça a l'air aussi effrayant que mon rêve. Oh oui, grand-mère, j'ai fait un cauchemar où j'étais dans la peau d'Elion. Tiens donc, mais tu sais, Eline, la gardienne de l'air a souvent le pouvoir de lire l'avenir et d'anticiper sur les événements. Et ce don surprenant est plus développé chez certaines que chez d'autres. J'espère que ce n'était véritablement qu'un rêve. Demain, je vais devoir minuter les tours de garde au château pour préparer l'assaut final contre Phobos. Blunk ne sent rien avec son rhume, même pas sa propre odeur. Il a bien de la chance. Alors pendant que les autres attaqueront le K-Team, tu ne pourrais pas m'accompagner avec le cœur au cas où je devrais ouvrir un portail ? Compte sur moi. Oh. Oh, Blunk, oh, je constate que la cité infinie n'est donc pas un mythe. À présent, le temps va jouer en notre faveur. Maintenant qu'ils savent que la cité existe, on a perdu l'élément de surprise. Qu'est-ce qu'il nous reste comme provision ? Il en reste assez pour une semaine au maximum. Même si on regagne la surface par un autre passage, il n'y a aucun endroit dans le village où cacher un millier d'hommes. Pour le moment, on est en sécurité. Mais pour combien de temps ? Jonas, vous qui êtes le père de Caleb, qu'est-ce qu'il ferait, lui ? Non ! Il y a un précipice. Cristallisation ! À vous ! Par l'eau ! Par le feu ! Merci d'avoir choisi Air Guardian. Nous vous souhaitons une bonne bataille contre le mal, ainsi qu'un bon séjour à Meridian. Bonne chance à vous contre le K-Team. Après, si vous pouvez, ça serait bien d'amener ça à la Cité Infinie. Génial, des Tokiwoki! J'ai toujours adoré ça! Ils nous seront très utiles pour communiquer pendant la bataille. J'en ai pris 8 paires. Ah non, il y en a 7 paires plus celui-là. Allô, allô. Ici Blunk, je reçois 0 sur 0. Oh, c'est pas vrai, encore lui. Blunk, où est-ce que t'es? À la maison avec maman. Il a une mère. En bain d'un pied manqué de racines de Sturge. Oh, il est malade et c'est sa mamounette qui s'occupe de lui. Pourquoi as-tu pris le Tokiwoki? Blunk pensait pouvoir le vendre comme chausse-pied. Si vous le voyez, vous pourrez le récupérer. Si pas ces racines de Sturge, Blunk jamais arrivé à guérir. Non, cher Vatek, il est temps que tu vois les donjons de l'intérieur, toi qui les as gardés tellement longtemps. Emmenez-le! Alors c'était vrai, la Cité Infinie existe donc bien. Je suppose que vous allez percer leurs fortifications. J'ai déjà donné des ordres dans ce sens, votre majesté.
Écoutez, écoutez-moi. On pourrait attendre, mais Phobos ne serait que mieux préparé et nous de plus en plus faibles. Selon vous, combien d'hommes a-t-il pour nous combattre? Je dirais 5000, peut-être plus. Alors nous devons attaquer le château. Tant qu'on est encore assez fort, les défenses de Phobos vont être réduites puisqu'il a envoyé des hommes ici. C'est ce que Caleb ferait en tout cas. Bon, on y est. Alors, y a pas le feu au lac? Il a l'air plutôt normal. Vas-y, lance une pierre. Lance-la toi-même, ta pierre. On dirait de l'eau tout ce qu'il y a de plus banal. Et vous avez pensé à apporter vos maillots de bain? Caleb, attention derrière toi! Hein? Waouh! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Son bras! Oh! Vous avez compris maintenant pourquoi je bois de l'eau en bouteille? Ça y est, un nouveau garde. Bon, j'ai l'impression que la relève a lieu toutes les 2 heures avec 5 minutes de battement. Alors si on a... Chut, quelque chose approche. Mais qu'est-ce qu'ils font? On n'est pas prêts. Oh, ça c'est carrément mauvais signe. Combien sont-ils? 1000 au moins. Phobos! C'est les rebelles qui attaquent le château? Tant que tu es à l'intérieur, tu es en sécurité. Miranda, raccompagne Lyon à l'intérieur et mettez-vous à l'abri. Ils n'ont aucune chance. Pourquoi attaquer maintenant? Les gens désespérés commettent des erreurs. Avant le lever du soleil, la rébellion sera définitivement écrasée, j'en fais le serment. Tu peux communiquer avec les autres? Ah, elles ne m'entendent pas. C'est un talisman magique, pas un toki-woki. Racine de Sturge, racine de Sturge. Blank! Tu l'as toujours sur toi, le chausse-pied, comme tu dis? Cornelia, Tarani, Eileen, Irma, répondez! Elles sont trop loin, impossible de les joindre. Oh! Lancez les flâneurs, maintenant! Bon, écoute, on a besoin des autres gardiennes. Alors tu vas foncer par là en courant, tu les appelles avec ça, et dès que tu les as, tu leur dis qu'il y a une urgence au château. Allons, filles, gardiennes, ici Blank! Qu'est-ce qui s'est passé? Phobos a trouvé la cité infinie. Il fallait qu'on attaque. J'aurais fait pareil. Ah!
s'y prend comme des pieds, les filles. Caleb a dit que le K-Team n'était pas l'eau en elle-même, mais l'énergie à l'intérieur. Oui, mais alors comment on fait pour combattre de l'énergie? Il faut arriver à la conduire ailleurs. Comment on peut créer de l'électricité statique? En se brossant les cheveux. Avec la foudre. Si on mélange de l'air chaud avec de l'air froid, ça fera des éclairs. Fille, très important! Dès que tu sentiras tes cheveux se dresser sur ta tête, tu t'éloignes vite fait! Maintenant! Accompli. Fille, gardienne! Blank, Caleb t'a déjà dit de ne pas jouer avec ça. Non, Blank, pas jouer. Oh. Urgence château, vous venir très vite. Oh, oh racine de Sturge. Préféré malade. Très mignonne dans une cage. Génial, Blank a réussi à vous joindre. On pensait que l'attaque n'avait lieu que dans 3 jours. Je vous expliquerai plus tard. Les rebelles ont besoin d'aide là-haut. Par groupe de 3, on se retrouve dans le vestibule. Non, je ne vous laisserai pas entrer dans mon château pour tout détruire. Elion, arrête! On est tous de ton côté. Écoute-moi, tu cours un très grand danger, Phobos a l'intention de te... Je croyais t'avoir déjà dit de ne plus t'approcher de moi. Elle va réussir à capturer tout le monde si on ne bat pas en retraite. Il a raison.
Donne l'ordre de repli. Au moins, les villageois ont à nouveau de l'eau. Vous avez bien bossé, les filles. Aldarn et mon père font partie des prisonniers. Oh non, impossible. Il y a une centaine d'hommes dans les donjons. Elion a aussi capturé plusieurs de ces saletés de bestioles. Elle ne sait même pas que les Lurden travaillent pour Phobos. Je me demande quels autres mensonges il lui a racontés. Moi, j'ai encore fait ce rêve. J'aimerais bien savoir ce qu'il peut vouloir dire.